Salut à tous, c'est Majin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui... Et oui, on va aller voir le petit Majin Vegeta LR. Alors vous voyez qu'il a des stats beaucoup plus élevées que un Majin avec zéro doublon. Et oui, si vous n'avez pas vu la vidéo, la dernière vidéo invocation, c'est la vidéo invocation dernier craquage pour les 3 ans. J'ai invoqué 150 DS sur le portail de Majin Vegeta LR, malheureusement c'était le dernier portail LR qui était là. J'aurais préféré que ce soit un autre comme Gohan LR par exemple, ou même Broly LR en vrai, puisque j'avais déjà Majin Vegeta LR. J'ai tenté 150 DS pour avoir un autre LR, mais au final, je vous spoil pas, je vous le mets sur le bouton en droite si vous voulez aller voir cette vidéo avant, pourquoi pas, si vous voulez, en fait ce que vous voulez, même si vous savez que je l'ai eu du coup. J'ai chopé un doublon de Majin Vegeta LR et ouais, et du coup ça fait grave plaisir, je voulais mon petit Neo LR pour les 3 ans. Alors j'ai eu les deux LR catégories, mais pour moi c'est pas les mêmes LR, vous voyez ce que je veux dire, c'est les LR catégories, c'est des leaders, c'est... Voilà, c'est pas pareil, vous voyez, ils font pas partie vraiment, c'est autre chose. Donc, là, je vais le jouer à côté de... déjà pas à côté de Bojack, hein, parce que c'est pas ouf du tout, hein, il faut que je joue à côté d'une autre unité, donc on va mettre Goku et SJ3, voilà, et l'autre rotation je ferai Golden et Golden Ange, et on est parti tout de suite, vous savez quoi, donc on va le voir une fois sans support, une fois support 30%, une fois support à 50%, et donc le gros avantage par rapport à la dernière vidéo sur Majin Vegeta LR, c'est que cette fois-ci j'ai du critique sur Majin Vegeta LR, et déjà que Majin Vegeta LR frappe très très fort, on l'avait vu qu'il peut monter. Quand vous avez une rotation avec Kid Buu et un Badak, il peut monter à 3 500 000 sans doublon. Donc le Majin Vegeta LR, alors on va aller voir ses stats d'abord parce que c'est quand même assez monstrueux, regardez sa défense. Regardez sa défense avec un doublon sans support, 60 000 de défense. Regardez 19 350 de PV, 19 570 d'attaque et 13 863 de défense avec un seul doublon, il est SP 20 forcément. Je lui ai mis tout ce que je pouvais en critique, donc il a 18% de critique, 16% d'attaque supplémentaire et là ça change tout. Regardez avec le lien Super Saiyan en plus, bim, avec le Ki plus 3. Si je le mets là, on n'a pas un lien de Ki en plus, non, on n'a pas un lien de Ki en plus. Donc là, on va pas partir en SP ultime, on est déjà à 153 000 sans support. Hein. À noter que là, on n'a pas de support, hein. Donc ça c'est très important. Parce qu'avec un support, vous savez que, étant donné que Majin Vegeta LR est une unité qui augmente sa défense, son attaque après, enfin en partant en spé, il profite beaucoup plus d'un support. Parce que le support va lui... Déjà 2 300 000 sans support, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, pas de critique 2 400 000. Donc comme je vous l'ai déjà dit dans maintes et maintes vidéos, je le répète toujours au cas où il y aurait des nouveaux abonnés, des nouveaux joueurs. Quand vous avez une augmentation d'attaque en partant en spé, les supports sont beaucoup plus forts puisque quand vous avez une augmentation d'attaque en passif dès le début, les supports et votre passif s'additionnent. Alors que là, ça se cumule, donc c'est après. Ah c'est con ça, hein. Ah c'est con ça. Ça c'est con parce qu'on n'a pas l'avantage du type ici, mais on a du critique. Donc en vrai, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, est-ce qu'il y a un lien supplémentaire avec Kid Buu? Non. Regardez, il est déjà à 142 000. C'est beaucoup trop fort, c'est beaucoup trop fort. Donc là, on va le faire partir avec une spé... on va prendre ça comme spé. Allez, on va le faire partir en kit 13, en kit 13. Donc là, en kit 13, il est déjà à 220 000. Il a 91 000 de défense avec un support à 50%. La violence de ce LR, mais en vrai, il est sous-côté, lui. Hein. Enfin, c'est pas qu'il est sous-côté, parce que c'est vrai qu'il n'a pas vraiment d'utilité. Vous voyez, Trunks LR, il peut monter plus haut avec 0 doublon dans sa catégorie. Bon, après, sa catégorie, c'est autre chose. Enfin, non, quoique non, c'est pareil, là. C'est comme s'il avait Gohan Ultime, puisque là, c'est 50% de défense. Broly LR est plus utile. Il frappe moins fort globalement. Je dis bien globalement, mais il est plus utile, Broly LR. Après, Majin Vegeta, il a beaucoup plus de défense. Gohan LR est aussi peu utile que Majin Vegeta LR. Donc, c'est à vous de voir qui vous préférez. Et puis les autres ils sont beaucoup plus utiles. Mais Majin Vegeta LR en fait c'est vraiment, voilà, c'est le mec, il fait une attaque SP. Par exemple là regardez, hein, 2 300 000 sans support. Normalement si on ajoute un support sur une autre équipe, sur une autre unité pardon, là c'est comme s'il montait à 2 600 000, 2 700 000. Mais là étant donné que ça proc après, regardez à combien il va monter, 3 300 000, 100 000, non 1 million pardon, 1 million de valeur d'attaque gagnée avec un seul support à 50%. Un seul support, c'est énorme. Normalement, un support vous donne 200 000, 300 000 en plus sur les unités qui augmentent leur attaque dès le début. Là, non. Là, non. Vu que c'est en partant en spé, comme le Goku 3 LR, c'est pour ça que Goku 3 LR, avec un support, putain, déjà que le mec part à 180% d'attaque en partant en spé, si vous lui rajoutez un support à 50%, c'est pour ça que c'est la carte qui fait le plus de dégâts en one-shot, quoi, avec une seule attaque, hein, en tout cas. Ah. Ça, c'est pas mal. Parce que là, on va avoir la spé la plus forte, mais
sans l'aspect ultime, bien entendu, parce que l'aspect ultime, c'est pas la plus forte. Donc là, on a l'aspect la plus puissante en Ki-17. On devrait pas prendre de dégâts, parce que normalement, 60 000... Ah, peut-être que 60 000 de défense, on va peut-être prendre un tout petit peu de dégâts. Normalement, c'est possible en tout cas. Donc on va bien voir. Mais on va bien voir. Donc là, ouais, 15 000. Hein. Un leader catégorie, oui, un leader catégorie, ça frappe fort, faut pas l'oublier. Hein. C'est 60 000, c'est déjà bien, parce qu'on prend pas si cher que ça. Mais là, par contre, sur l'aspect, on va prendre 120 000. Vu qu'on n'a pas Golden dans leur... Vu qu'on n'a pas Golden dans leur rotation, ouais. 3 181 000, donc c'est très fort. Un critique ? Pas de critique, malheureusement. Il inflige quand même plus de 500 000. Hein. C'est pas... Vous voyez que c'est là où on se rend compte que les barrières... Vous vous rendez compte que... On monte à 3 100 000, enfin 3 200 000 si on arrondit, et on inflige que 500 000 et quelques. C'est là où on se rend compte de la puissance des barrières des leaders catégories. C'est très fort. C'est vraiment beaucoup trop fort. Là, malheureusement, au prochain tour, on n'a pas le passif de Golden Tech. Ça ne me fait pas plaisir parce que... parce que c'est pas ouf tout simplement. Hein. Au moins on a la réduction avec Golden, mais bon, pas ouf du tout. Enfin une spé quasiment ultime. Oui, on a la spé ultime, on a la première spé. En espérant ne pas mourir vu qu'on mange deux attaques, en espérant aussi faire un critique. Si jamais on meurt, c'est pas grave, je vous aurais montré juste à combien il est monté. Il a pas fait critique malheureusement, mais j'aimerais bien qu'il en fasse 5. 4300, oui, vu qu'on a un debuff de Golden, c'est pas mal. 2 millions quand même, hein, 2 millions avec un carnage, sachant que c'est pas en Ki-24 et qu'il n'y a pas de support, ça fait très mal. Et pas de critique malheureusement. Pas de spé s'il te plaît, voilà, merci. Donc en tout cas, on n'a pas vu de critique, mais c'est pas grave, parce qu'un critique sur des barrières, c'est pas si impressionnant que ça, ça fait mal, mais c'est pas si impressionnant que ça. Maintenant, je vous dis à tout de suite sur des unités avec zéro barrière. Et là, vous allez voir à quel point les dégâts sont élevés. A tout de suite. Alors là, les gars, je peux vous le dire, hein, quand Majin VGTLR est à côté de ce Badak qui lui donne déjà Super Saiyan et un autre lien d'attaque qu'on n'a pas eu, parce qu'à côté, oui, À côté de Goku SJ3, il n'y a pas ça. Hein. Donc là, il a attaque plus 25% en lien d'attaque, pardon. Alors tout à l'heure, c'était 10%. Et déjà, avec seulement un lien, il est monté à 2 300 000. Là, on a un support ici en passif de 20%, plus 25%. Et en plus, il va y avoir d'autres supports. Donc là, vous allez voir. Il va monter à des valeurs, mais astronomiques. Et en plus de ça... S'il y a un critique sur le bon type, c'est... Vous allez voir. Donc je vous dis à tout de suite par contre pour les bonnes rotations. Enfin non, je vous dis à la prochaine rotation puisqu'il y a Kid Buu et c'est déjà suffisant. À tout de suite. Donc voilà, je vous montre ça quand même parce que là, il n'y a qu'un seul... Oh, en plus, ça peut être beau à voir en vrai. En vrai, ça peut être intéressant. Là, il n'y a qu'un seul support. Il n'a aucun lien. Il n'a aucun lien d'attaque. Je crois qu'on a l'aspect ultime en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Intéressant. Intéressant de voir qu'on a le Ki-17, donc on a l'aspect la plus forte, mais là dites-vous qu'il manque. Par rapport à ce que je vais vous montrer, il manque 20% en passif d'un autre support et 25% de lien d'attaque. Et là vous allez voir que c'est déjà très élevé, mais il manque, comme je vous l'ai dit, 20% d'un autre support, qui est donc le Badak, et en plus il manque 25% de lien d'attaque. Là il y a zéro lien, juste un support à 50%, on est déjà à 3 337 000. On est très loin de ce que peut faire un Majin Vegeta. On est déjà sur du 4 millions accessoirement, hein, ça c'est dit. Pas l'avantage du type. Pas de critique. Oh là là, oh oui. Ça va faire beaucoup trop mal. Oh oui, ça va faire beaucoup trop mal. Oh, non, mais ça va faire beaucoup trop mal, là. Regardez, on est déjà à 182 000, en vrai. Hein. C'est n'importe quoi. Est-ce que là, j'ai combien de ki? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, si je fais ça... Oh là là. Ki plus 1. En fait, il faut que je vous montre l'aspect la plus puissante qu'il puisse avoir. Donc c'est la ki 17. Donc regardez ça, là il manque 3 de ki pour atteindre le ki 17 et là. Dites-vous qu'en gros là il a 312 588. Mais 312 588 c'était bien ça, fois 2,5. Et là il faut appliquer son boost. Et oui, donc là c'est comme s'il était, quand il va partir en spé, c'est comme s'il était à 781 000 de base. Et ça c'est trop fort. Ça c'est trop fort. 312 500, ouais c'est bien ça. Là, vous allez voir, mais à combien il va partir, mais ça va être n'importe quoi. Là, vous allez voir, hein. Au-dessus de 4 millions, easy, hein, mais vraiment easy. Alors par contre, Badak, pas de double spé critique, sinon tu le tues. Et si tu le tues, j'aurais fait tout ça pour rien. Oh putain, combien? 4 727 000. 4 727 000. Sans critique, 5 400 000. Il n'y a pas de critique pour l'instant, il n'y a pas l'avantage du type, hein, donc je vais continuer à jouer, mais je vais faire des coupures pour vous montrer quand je serai sur l'avantage du type. Donc à la prochaine rotation, si j'arrive, bah là ici en gros, je vais zapper ce tour qui arrive avec les doubles, voilà, celui-là je vais le zapper, pour essayer de laisser Shizami, non c'est Shizami, ouais, je vais essayer de laisser Shizami en vie, à tout de suite. Alors, comment on va faire? Parce que là malheureusement, Majin Vegeta, ah non, c'est parfait.
C'est parfait. Il lui faut en gros 5 de ki. Je sais pas comment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, malheureusement. Ah bah je vais faire 4 en vrai. Hein. Je crois que je vais faire 4. C'est la meilleure chose à faire. En espérant que Badak ne fasse pas une double spé. Ou alors je pars en 1, 2, 3, 4, 5. Oh bah c'est beau. Oh bah c'est beau. Mais c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça. On est d'accord, hein, il lui manque juste 5 de ki. Hein. On est bien d'accord. Oui, c'est parfait. Donc là, préparez-vous aussi à avoir une attaque extrêmement forte. Alors on n'a pas l'autre support à 50%, mais même avec un 30%, on ne sera pas si éloigné. On va monter à quoi? 4 400 000, je pense, en vrai. Je crois qu'on va monter à 4 400 000, si j'ai pas de conneries. Je le pense. Ah non, 4 100 000. Ah oui, quand même. Mais comment ça se fait? En tout cas, bref, on a claqué quand même du 6 700 000. Je tiens à préciser, sans Dokkan Mode et sans critique. Par contre, il veut pas crit. Bah écoutez, là aussi, je vais essayer de pas le tuer. Vous savez quoi? Donc, à tout de suite. Donc alors, là, par contre, on a que le support de Badak. Donc, c'est tant mieux, à la limite. Hein, moi, ça me dérange pas. Alors, je pense qu'on va prendre tout ça après. Donc, on va faire ça. Et normalement, ici, il lui manque 9 de ki. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on en a donc forcément un en moins. Donc là, normalement, on va quasiment avoir l'aspect ultime. Donc voilà, il manque 1 de ki. Donc là, on a juste la rota avec le Badak. Alors, le Badak donne quand même 20%, je suis d'accord. Mais ça, c'est une rotation jouable. Parce que jouer Kid Buu et Majin Vegeta, c'est pas si fou que ça. Hein. C'est faisable, mais c'est pas une rotation optimale. Alors que jouer Badak à côté du Majin, ça, c'est optimal. Puisqu'on a deux... Ouf. Très, très bien. Très, très bien. Sachant que on est parti à 3 200 000. Hein. Imaginez si on était parti tout à l'heure avec les 4 700 000 avec le Kid Buu. Hein. C'est n'importe quoi. C'est beaucoup trop fort. Ah ouais, mais oui, bien sûr. Mais bien sûr. Ah ouais, non, ça va faire très très mal. Ça va faire très très mal, parce que là, 304 000, on va monter à 4 600 000, je crois. 4 600 000, ça va faire très mal. 4 612 000, putain, mais là, même sans critique, on le détruit. Mais regardez. Mais voilà. One shot. One shot, pas l'avantage du type, et pas l'avantage de la classe, et pas de critique. C'est là où on se rend compte que quand il n'y avait pas de barrière avant, putain, les dégâts qu'on faisait aujourd'hui, ça fait limite peine à voir. Fou, j'ai eu peur, j'ai eu bien peur, puisqu'on a failli avoir un Dokkan Mode. Alors le mieux, c'est d'avoir le Dokkan Mode là, ce tour-là, là, avec Majin Vegeta qui arrive. Alors, en espérant qu'il y ait un critique, parce qu'on a ni l'avantage de la classe, ni l'avantage du type, donc on va pas faire énormément de dégâts. Après, quoique, on vient de mettre 2 100 000 à un mec sur lequel on avait ni l'avantage de la classe, ni l'avantage du type. Donc en vrai, est-ce que... Ouh, pas mal. Donc là, il lui faut 5, 6, 7 de ki. Il lui faut 7 de ki. 1, 2, 3... Oh putain, non, mais dites pas qu'il y a 7 de ki. 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah, il y a 8, bordel. Ah ouais, dommage, dommage. Ah, c'est dommage. Ah, en vrai, c'est dommage, mais est-ce que je vais pas claquer un petit ki plus 3? Et ouais, les gars. Et oui, et je pense que je vais le faire, parce que quitte à avoir un Dokkan Mode, autant voir l'aspect la plus puissante... Donc ouais, on va voir ça. Et là par contre, s'il y a un critique, même sans avantage type et sans... Alors on aura l'avantage du type grâce au critique, mais n'oubliez pas que vous avez aussi un avantage type grâce à l'arbre des compétences. Et ça, le Dokkan Mode n'y est pour rien, hein. C'est juste l'arbre des compétences qui fait ça. Et c'est pour ça qu'on frappe plus fort même avec un Dokkan Mode quand on frappe sur le bon type, puisqu'on a l'avantage. En plus, grâce à l'arbre, 75% en plus pour une unité 100%, 35% je crois pour une unité 0 doublon et un peu plus pour une autre. Donc bref, 4 171 000. S'il y a un critique, 18%, on a quasiment une chance sur 5. Oh là 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 là. Un doublon. Pas d'avantage type. Et pas quoi? Et pas d'avantage de la classe. Parce que là, si lui en face était un super, on aurait mis peut-être 18 000. Putain, mais c'est nimp. Mais c'est n'importe quoi. Je prends un screen. Parce que... Bon, maintenant, je vous dis à tout de suite, on va essayer de frapper celle puissance avec l'avantage type, sans Dokkan Mode, parce que je ne pourrais pas en avoir un. Mais bref, à tout de suite. Alors, par contre, je tenais à vous montrer un truc. C'est quand même son carnage, puisque son carnage est quelque chose de très intéressant. Donc, j'avais préparé le coup avec ça, donc on va essayer de... Je vais essayer de vous montrer, bah, du coup, son attaque en ki 24. Donc là, on a tout ça. Il va frapper tout le monde, donc parce que voilà, c'est quand même intéressant de voir un carnage. Et parfait, un petit ki plus 3 sur les attaquants pour avoir le ki 24. Donc là, vous allez voir la spé à 24 de ki qui est moins forte que la 17. Mais moins forte, vous allez voir que ça tape quand même assez fort. Hein. Honnêtement, vous allez voir, en plus, avec un petit carnage, il y aura pas mal de chances de faire du crit.
Voilà, c'est toujours intéressant de voir ça juste avant le sel puissance, bien entendu. Donc, alors, un petit carnage de Majin Vegeta avec les deux supports en Ki 24. À combien ça monte? Ça monte quand même à 3 700 000. Hein. Voilà, un carnage à 3 700 000. Est-ce que j'ai besoin de vous décrire pourquoi c'est fort? En tout cas, ici, 3 700 ici. 3 700 ici, 1 700 et 3 800 ici. Donc on n'a pas eu de critique, mais on est aux alentours des 3,2 millions, je dirais, vu que l'autre a fait 1 700 000. Alors donc, je viens de tuer Celtec, on va arriver sur cette puissance, et juste avant de vous montrer le tour, je tiens à noter que j'avais, pardon, une chance sur... attendez, comment je vais faire? 4, 1, 2, 3, 4, ah pas bon, faut que je fasse ça. J'avais une chance sur 3 de tomber sur une rotation où il n'y avait pas de support en dernier. Parce que j'avais deux supports en rotation, donc j'ai deux chances sur 3 d'avoir un support en troisième rotation, mais c'est pas le cas. Donc je me tape juste le Badax, qui est déjà très bon en soi, ça sert à rien d'avoir plus. Alors là, on frappe l'avantage du type, on frappe pas l'avantage de la classe, et j'espère qu'il va y avoir un critique. Il me manque 3 de ki, c'est parfait, j'ai ça ici. C'est l'aspect... la plus forte, mais il nous manque quand même un autre. Donc là, on va pas monter aussi haut que tout à l'heure, hein, parce que quand il y a deux supports avec Majin Vegeta, c'est une boucherie sans nom. Mais on va faire quand même pas mal de dégâts, surtout s'il y a un crit. Là, j'aimerais bien qu'il y ait un crit en vrai. Et en fait, en vrai, ça serait intéressant de voir avec seulement le Badak, parce que s'il y a un support Kidbu, on va dire oui, mais c'est trop fort, c'est normal, oui. Donc là, vu qu'il n'y a pas de support en troisième position, c'est pas mal. Pas de critique, 5 millions, donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. En tout cas, bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle démontre assez bien que Majin Vegeta est un putain de gros cogneur et qu'il a quand même une bonne défense, hein, sans support tout à l'heure on l'a vu, hein, 60 000 sans support de défense, hein, donc 60 000 de défense pardon sans support et 90 000 de défense avec le kit boost qui est complètement énorme avec un seul doublon. En tout cas voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi comme d'habitude je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Magic you made.